Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, je vous filme mon couloir, la porte qui va au garage. Non, pas du tout. En fait, c'est que je vais vous montrer le bureau installé. Pas du tout terminé. Je vais vous montrer pour le moment. Alors, ça sera comme ça. Alors, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc là, il y a la table avec deux meubles que j'avais déjà dans notre ancienne location. Là, il y a l'imprimante avec les deux meubles que j'ai montés. Pour l'instant, ça sera comme ça. Bon, là, c'est un peu le bordel, hein. J'ai mis tout et n'importe quoi dessus. Là, c'est mes achats que j'ai faits au salon loisirs créatifs dans le Gard, à côté de Nîmes. Donc, la table. C'est bon, on a réussi à la monter. Donc, la table, elle vient de chez... Eh ben, je sais plus. Castorama. Voilà. Donc, on a réussi. Bon, c'était pas du tout compliqué, en fait. De mettre les pieds, il fallait juste avoir des bonnes vis. Donc, on a mesuré. Et moi, dans le doute, j'ai pris une taille au-dessus, hein, au cas où. Bon, finalement, c'était très bien. Donc, on a pu rendre l'autre paquet de vis. Voilà. Donc là, bon, mais évidemment, l'escabeau, il va gicler. Donc, dans la semaine, j'espère, je vais commencer, ben, déjà, à enlever tout ça parce que c'est pas leur place. Et je vais commencer à ranger tout ce qu'il y a dans le garage et dans le salon pour les cartons. Et je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, mais il n'y a pas du tout assez de place. Je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il n'y aura pas assez de place. Mais en même temps, il faut d'abord tout ranger pour voir si c'est oui ou si c'est non. Oui, mais non. Ne me dis jamais non. C'est Mylène Farmer. Bon, passons. Donc voilà. Donc en fait, soit on mettra un autre meuble là, ou alors, ben, je sais pas, on verra. Désolé, ça a coupé. Donc, on verra bien, ça rentre pas. Ouais, je pense qu'on mettra un autre meuble là. Bon, en même temps, là, il y a des rangements. Donc, là, il y a la prise pour l'imprimante, c'est très bien. En dessous, il y a aussi une prise. Je sais plus où elle est. Elle est là, ouais, voilà. Donc, voilà. Donc, peut-être même les meubles, les mettre de ce côté et me laisser pour l'ordinateur de ce côté. Je sais pas. Sincèrement, pour le moment, je n'en ai aucune idée. Après, je me dis, je suis gaucher, donc c'est bien que tout soit à ma gauche pour prendre. Je ne sais pas. De toute façon, voilà, j'ai déjà installé ça, mon tapis de découpe. Je ne trouvais plus le mot. Voilà, donc c'est un peu, hein, voilà, enfin, là, c'est le début du bordel. Je vous montrerai, hein, un peu le bordel que je vais faire. Ah oui, j'ai changé aussi de place. J'ai remis, bon là, faut la remettre le cache, mais en fait, j'ai cassé l'élastique. Donc, il faudra qu'on en cherche. Donc, j'ai remis Juju. Donc, je pense que Julia, par contre, restera là, à cette place. Enfin, Julia, elle restera pas là parce qu'elle fait un peu ce qu'elle veut et elle va dormir où elle a envie. Mais je pense que pour le moment, enfin, non, pas du tout pour le moment, mais en tout cas, son panier sera là si elle souhaite. Le tapis, ça va pas du tout avec. Je suis entièrement d'accord. Mais bon, en même temps, ça serait con de le jeter et ce qui va avec. Donc, pour l'instant, on le garde et je vais vous montrer la tapisserie. Voilà, en fait, c'est par rapport à la housse qui est complètement morte. Donc là, par contre, on va la changer. On va mettre un plaid, on va voir. On va réfléchir à quelle est la situation, la solution la plus économique, on va dire. Donc voilà notre tapisserie. C'est un style très différent. C'est un style, voilà, c'est un style. On l'a acheté au comptoir de l'ours à Aix-les-Milles pour ceux et celles que ça intéresse. Je vous montre pas dehors parce qu'il n'y a pas d'intérêt à vous montrer dehors. Et en plus, j'ai pas de rideau. Un jour, j'aurai des rideaux. Donc voilà, donc, je suis quand même assez content. Donc je pense que je vais strapper là. Et là, je pourrai prendre mes affaires. Et là, il y aura l'ordinateur et la portrait 2, je pense. Voilà. Donc maintenant, ça me tarde de voir si tout a bien survécu au déménagement, à une inondation dans le garage. À voir. J'espère que oui. Moi, ça me ferait vraiment très mal au cœur. Bon, allez, je vais vous laisser parce que je vais tourner une vidéo sur mes achats. Ouais, trop bien. Oui, c'est une petite vidéo parce que ça n'a rien de vous raconter ma vie pour vous montrer deux, trois bricoles. Moi, je vis d'amour et d'eau fraîche. Je vis avec des meubles Alex. Allez, je vous fais des bisous. À bisous. Bisous!